On a mis en place un cahier des charges qui nous a fait retenir donc, le cabinet PwC, Vladislava Jovkova, qui était là présente ce matin pour présenter les résultats techniques, et qui montre bien effectivement aujourd'hui que le prix des matériaux à La Réunion n'est pas la cause essentielle du surcoût du logement social à La Réunion. Pourquoi avoir choisi ce cabinet ? On a voulu choisir un cabinet avec des méthodologies éprouvées, avec une expertise reconnue aujourd'hui au niveau mondial et qui ne peut pas être contestée sur sa manière d'aborder les choses, sur les résultats surtout qu'elle produit, puisque la particularité de l'étude, c'est qu'elle s'est appuyée sur l'ensemble des comptes des entreprises qui ont été interviewées, qui ont ouvert leurs comptes comptables, leur permettant ainsi d'accéder à de la donnée réelle et factuelle. Dans ce type d'étude, pourquoi c'est important de Bon, l'étude le montre, hein. On a aujourd'hui des contraintes de construction qui n'existent pas du tout en métropole. Par exemple, sur les constructions en bois, vous avez du bois traité classe 4, ce qui n'est pas le cas en métropole. Vous avez aussi un coût du foncier ici qui est extrêmement important. Donc le surcoût du logement qui n'est pas si important que ça, hein. L'étude le montre bien, on est entre 5 et 10% plus cher sur le coût final de construction de logement, n'est pas si important que ça. Mais ça prend en compte aussi un coût du foncier qui est beaucoup plus élevé et puis des contraintes réglementaires qui sont beaucoup plus élevées aussi qu'en métropole. Et quel est le message que vous avez voulu faire passer à travers cette étude ? Simplement qu'aujourd'hui, on peut réaliser des études factuelles à La Réunion, d'accord, qui tordent le cou à des croyances et à des dogmes, et que quand on s'appuie sur des données factuelles, on s'aperçoit aujourd'hui que quand on dit « oui, tout est plus cher à La Réunion, oui, le logement plus cher, oui, les matériaux de construction sont beaucoup plus chers », on s'aperçoit en fait que ce n'est pas si vrai que ça.